Bonjour pour ce nouveau Michel Midi consacré aux Gilets jaunes. On en a parlé la semaine passée, mais c'était beaucoup trop court. J'aurais dû prévoir un numéro rien que là-dessus. Euh, 80% des Français sont en faveur des Gilets jaunes, si on en croit les sondages. Et je crois que quand on discute autour de soi, c'est ce qu'on entend aussi. Alors la question que j'ai posée, c'est si on vit en démocratie, comment ça se fait que 80% de l'opinion, ça ne suffit pas à obtenir que un président de la République en France, un premier ministre en Belgique, qui ont promis d'être au service de leurs concitoyens, ça ne suffit pas à ce qu'ils appliquent ce que manifestement la majorité veut. Donc, est-ce qu'on vit en, en démocratie La femme de, Daniel, de, de François Mitterrand, pardon, Daniel Mitterrand, qui avait un peu d'expérience sur la question, a un jour demandé à son mari, une fois arrivé à la présidence de la République, Maintenant que vous êtes au pouvoir, pourquoi est-ce que vous ne défendez pas les gens d'en bas et il a répondu dans son style traditionnel, Ma chère, euh, j'ai la présidence, je n'ai pas le pouvoir. Et donc, c'est la question qui se pose, à qui obéit Macron s'il n'obéit pas au peuple Et au fond, on est dans une sorte de pièce de théâtre, sauf que c'est la réalité. On va un peu voir quels sont les personnages dans ce théâtre. Il y a bien entendu Macron, l'État. Il y a le 1%. Il y a la classe ouvrière au sens large, les ouvriers, les employés. Il y a aussi ceux qui se sont mis dans la rue, essentiellement des petits indépendants, les petits patrons. Et puis, on doit aussi parler d'un acteur qui n'est pas sur le devant, mais qui joue un rôle important, les migrants. Je dirai tout à l'heure pourquoi. La question clé, c'est donc, si 80% de la population soutient les Gilets jaunes, qui est leur adversaire et pourquoi est-ce qu'il est si fort Macron a évidemment son explication, c'est que le peuple est bête, il n'a pas compris que les réformes sont nécessaires pour être modernes, et lui, Macron, il sait ce qu'il faut faire. En réalité, les gens ne sont pas bêtes du tout, et ils sentent très bien que ces réformes sont faites pour les riches et vont aggraver leur situation. En fait, Macron travaille pour des intérêts cachés, trahit les promesses électorales qu'il a faites, et on se trouve aujourd'hui avec une situation où des millions de ménages en France, en Belgique aussi, et clairement dans d'autres pays bien sûr, se retrouvent pris à la gorge et n'arrivent pas à finir le mois. Et donc la question clé à se poser dans ces cas-là, c'est mais où est parti votre argent Qui l'a pris et, pour comprendre ça, plutôt que de regarder TF1 ou France 2 ou la RTBF, il vaut mieux regarder, ça va vous sembler bizarre, les pages roses des quotidiens. Vous savez, les, où, les pages où des journalistes spécialisés parlent directement aux patrons et aux investisseurs. Il y a beaucoup plus de vérité là-dedans. Et euh, j'ai trouvé par exemple récemment une info très intéressante ici. Les grandes sociétés cotées bourrent les poches de leurs actionnaires. Près de 500 milliards de dividendes versés au deuxième trimestre de l'année 2018. 500 milliards de dividendes, donc il y a de l'argent quelque part. Je lis. Les sociétés ont choyé leurs actionnaires au deuxième trimestre. Au niveau mondial, elles leur ont versé 497 milliards de dollars de dividendes en hausse de 2%. 13% par rapport à l'année passée. Alors, qui sont ces groupes Les 10 meilleurs payeurs sont, je cite, Nestlé en numéro 1. Donc, quand vous achetez de l'eau, des yaourts, etc. dans les supermarchés, vous payez trop et euh, les actionnaires de Nestlé s'en directement. Numéro 2, Daimler. 3, Samsung. Puis, vous avez numéro 4, Sanofi. Alors ça, c'est intéressant. Sanofi, j'en avais parlé dans mon livre euh, Pourquoi Soral Séduit qui analyse le capitalisme. Et en posant en tout début la question euh, d'où viennent la violence et l'inégalité sociale, j'avais relevé, je cite, que Sanofi a distribué 5 milliards de dividendes dans la période an analysée, soit 50 000 euros. Généré grâce au travail de chaque employé. Dans la même période, Sanofi avait supprimé 1300 emplois en 2009-2011. Alors, le directeur de Sanofi, Weinberg, avait signé en 2012 un appel à baisser le coût du travail, baisser les salaires. Mais le nouveau PDG de Sanofi qui est arrivé pour lui faire un beau cadeau à son arrivée. Il a touché 4 millions d'euros. Donc, c'est des vases communicants. L'argent qu'on prend aux uns, il va directement dans la poche des autres. Sanofi était un bon exemple. Il y en avait d'autres. Il y avait aussi Auchan, euh, mais je dois continuer. Je vais revenir sur Auchan, mais je continue d'abord sur ma liste des dix euh, sociétés qui ont le plus distribué leurs dividendes. Après Sanofi, vous avez BNP Paribas, l'assureur allemand Allianz, la banque britannique HSBC. Donc, quand vous payez vos banques et vos assurances beaucoup trop chères, ben c'est, ça enrichit directement une toute petite couche de gens qui sont même pas 1%, comme je le disais, mais encore moins. Le suivant, c'est le brasseur B, euh, belge AB InBev, qui, en fait, vend, je crois, à peu près 3 bières sur 10 dans le monde. Donc, quand on prend un demi, ben, c'est eux qu'on enrichit. Et le dixième, c'est le groupe français Total. On va en reparler de Total dans, dans quelques minutes. Donc, quand on n'arrive plus à, à payer, on se retrouve en fait dans un système où une des trois grosses fortunes que j'avais pris comme exemple dans ce livre, c'était la fortune de Mullier, la famille qui possède Auchan. Gérard Mullier possède 23 milliards d'euros. Ça représente 1687 années de smic, années de smic. Une caissière dans un hypermarché de M. Mullier à Auchan touche 10 francs 60 de l'heure. Quand elle a 30 ans d'ancienneté. Et M. Moulier, il gagne un milliard d'euros par an, il a fui en Belgique et en 2014, il a payé 135 euros d'impôt sur le revenu. 135 euros d'impôt sur le revenu. On va revenir sur la fiscalité un peu plus tard. Par contre, à Tourcoing, dans un Auchan, une caissière a été licenciée, accusée de fraude parce qu'elle n'avait pas vu une cliente qui n'avait pas scanné un pot de sauce tomate à 85 centimes. Voilà comment Mullier construit sa fortune. Heureusement, il a été réintégré grâce à la mobilisation des syndicats et des clients. Quand vous vous nourrissez, ben 10% de tout ce qui est dépensé par les Français en alimentation et en équipement, ça atterrit dans la caisse de la famille Mullier. Mais il y a des choses encore plus effrayantes. Qui est protégé par Macron Qui est servi par Macron ben, Par exemple, vous avez M. Carlos Ghosn, le patron, le PDG de Renault. L'homme qui a euh, fraudé 67 millions d'euros au fisc, qui est en prison au Japon, mais la France l'a protégé et essaie encore de le protéger. Ce bonhomme-là gagnait. Sans, euh, pardon, gagner 65 000 euros par jour de travail. 65 000 euros par jour de travail. Et comment on arrive à ça Comment on le nomme Parce qu'il fait pression sur les salaires, sur les cadences de travail et sur la durée du travail. C'est vraiment un, le roi des presses citrons. Donc, on a ce problème de qui sert Macron. J'ai parlé d'Auchamp. C'est important parce que les partis politiques favorise la création de grands centres commerciaux partout. Mais quand on installe un grand centre commercial, ben ça tue environ une centaine de petits commerçants dans les environs, c'est clair. Donc ces gens-là qui sont dans la rue, c'est parce que Macron leur a fait des belles promesses, en Belgique c'est pareil, mais en réalité il a servi leurs adversaires, les gens qui les dévorent et qui suppriment leur boulot. Quand un grand centre commercial s'installe, ben par exemple il peut faire des promos que jamais un petit indépendant ne pourrait faire, il peut presser le travail très fort, obliger les gens à travailler le dimanche, maintenant on essaye d'obliger les magasins à ouvrir jusque 22 heures. Évidemment, ça va pas profiter au petit épicier de quartier qui est tout seul, évidemment, ça va profiter seulement aux grosses multinationales. Donc, on doit un peu creuser le phénomène des petits indépendants et des petits patrons qui sont dans la rue, c'est pas comme avant, comme toujours, la classe ouvrière classique. Non, c'est des petits patrons, des petits indépendants. Et je pense qu'on doit creuser qu'est-ce que ça recourt. D'abord, en fait, ça recourt des catégories très diverses. Il y a des artisans, il y a le bâtiment, il y a le transport, il y a le nettoyage, café, restaurant, tourisme, etc. Il y a beaucoup de paysans, il y a des commerçants, il y a aussi des professions libérales. Donc, on doit faire une analyse un peu fine. J'avais essayé de faire ça un peu dans le livre Pourquoi Saurel Séduit dont j'ai parlé. Mais si on regarde la, la situation générale, c'est la dégringolade en fait. J'ai euh, analysé des statistiques en Belgique, mais je pense qu'on devrait avoir les mêmes chiffres en, en France. Depuis plusieurs années, les indépendants ont vu leur revenu net diminuer de 4,5%. Avec comme conséquence qu'aujourd'hui, entre 13 et 16%, selon les stats des différentes associations de commerçants, 13 à 16% vivent sous le seuil de pauvreté. Sous le seuil de pauvreté. C'est à peu près comparable à la classe ouvrière et au, au chômage. Les secteurs les plus touchés, les plus pauvres, sont les soins de santé, coiffeurs, etc., l'agriculture, le commerce. Il y a évidemment des professions libérales qui font mieux, euh, qui ont un revenu net moyen de 30 000 euros, mais ça, je crois que ça cache des situations très diverses. Mais en fait, dans les indépendants, il y a 20 qui représentent 60 des revenus. Donc, en fait, les indépendants, il faut distinguer. Il y a ceux qui espèrent devenir gros et il y a ceux qui sont juste dans la survie pour ne pas tomber tout en bas. Et je crois qu'on doit faire cette analyse. Euh, les paysans. J'en reparlerai dans un prochain Michel Midi parce qu'il y a beaucoup à en dire sur ce problème. Je l'ai un petit peu analysé. Et il y a juste une chose à signaler. En Belgique, le revenu moyen d'un paysan, c'est 2000 euros par mois. 2000. Qu'on dit revenu moyen, ça veut dire qu'il y en a énormément qui ont beaucoup moins que ça. Et il faut savoir que le taux de suicide des paysans est trois fois plus élevé que dans le reste de la population. Il faut aussi dire que dans les indépendants, il y a ce qu'on appelle des faux indépendants. Les jeunes qui bossent pour euh, Deliveroo, les, les gens qui euh, bossent pour Uber, ben, ils n'ont pas le choix. S'ils veulent travailler, c'est comme ça ils sont obligés de se dire indépendants. Et donc, ils n'ont aucun des avantages que la classe ouvrière a conquis avec la sécurité sociale, etc. Ils n'ont ont pas de protection. Et donc, ça, c'est une situation euh, il faut vraiment se, se pencher là-dessus il faut l'analyser ensemble. Et la question qui se pose, ces indépendants, ils sont écrasés par qui Ils sont écrasés en fait par différents facteurs. Il y a d'abord les prêts bancaires, qui ne sont pas honnêtes. Il faudrait des banques publiques qui aident vraiment les petites entreprises à développer l'activité, du dynamisme, à sauver les quartiers. Mais les banques ne sont pas au service des petits commerçants. On prête corrige, bien entendu. Il y a aussi les accords entre les grands monopoles du commerce. Ça, c'est très important. Vous savez que les firmes de détergents, d'alimentation, etc. Elles passent des accords entre elles pour imposer des prix manipulés, des prix de cartel. Il y en a qui ont même été prises la main dans le sac, mais c'est rare. Pour imposer de sorte que les consommateurs payent beaucoup trop cher. Et de l'autre côté, les producteurs, les petits producteurs, les paysans, etc., reçoivent beaucoup trop peu parce que les gros sont en position de force et les écrasent. Il y a donc des prix truqués il y a euh, un chantage sur les petits producteurs. Il y a aussi l'écrasement par les gros monopoles de l'agriculture, l'agro-business, comme les groupes Bolloré, Louis Dreyfus, Cargill, que j'ai analysé dans certains livres. Et donc, on se retrouve dans une situation d'écrasement. Et alors, ce qui maintenant, euh, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est évidemment euh, les impôts, les taxes indirectes, la TVA, etc. Mais je vais vous montrer une petite image qui euh, montre bien l'étranglement. On avait donc Monsieur le ministre de Macron qui avait soi-disant promis en janvier 2018 il n'y aura pas de nouvelles impôts pendant le quinquennat, je m'y engage, je cite, et des petits farceurs là en dessous ont fait la liste, frais bancaires plus 13%, carburant plus 12%, PV stationnement plus 30%, la hausse des assurances, des mutuelles, des timbres, de la carte de grise, de l'abonnement de bus, du péage routier, du gaz, etc. Et donc, on est clairement dans une situation où la fiscalité sert en fait à faire des cadeaux aux grosses multinationales qui, elles, ne payent pas d'impôts. C'est le cas de Total, par exemple. J'ai cité le cas de, de Auchan, il y en a d'autres. Euh, ils ne payent pas d'impôts, on leur donne des aides à la recherche, soi-disant à, à la création d'emplois, en réalité à des investissements qui vont encore faire diminuer plus de petits commerces. Donc là, on arrive... À une loi fondamentale du système capitaliste dans lequel on vit, c'est la concentration. C'est-à-dire le fait que, aussi bien dans la production que dans le commerce, dans le transport, il y a des grosses sociétés multinationales qui ont un énorme capital, qui en ont avalé plein d'autres, qui en, élim, en ont éliminé tout plein, et qui écrasent de plus en plus les petites entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent au système dans lequel on vit, cette concentration du capital. Et je l'ai aussi analysé dans le livre dont, dont je parlais. Et je crois qu'on doit bien mesurer les conséquences. J'ai habité longtemps à Liège et un jour est venu s'installer là un gros magasin Ikea. Bon, c'est bien, c'est pratique, c'est bon marché. Dans la chaussée près du quartier où j'habitais, il y avait environ une vingtaine de magasins assez grands qui vendaient de l'ameublement en général. Et c'était le quartier, quand on voulait acheter une chambre pour ses gosses ou des choses comme ça, euh, on allait là. Et évidemment, ils ont tous disparu. En même pas cinq ans, je les ai vus tous fermer les uns après les autres à cause d'IKEA. Donc voilà, quand un complexe commercial s'installe, on a plein de commerçants aux alentours qui ferment boutique. Et dans ces complexes commerciaux, on retrouve quoi Une vingtaine d'enseignes, toujours les mêmes dans le monde entier avec du textile fabriqué par des esclaves, des GSM fabriqués par des esclaves et payés beaucoup trop cher, etc. Donc ça c'est la raison pour laquelle moi j'ai toujours expliqué que on ne peut pas en fait l'avenir de l'humanité il est incompatible avec les multinationales si vous les laissez avoir le pouvoir économique ben, on va dégringoler tous de plus en plus, c'est une loi absolument mathématique. La fiscalité c'est donc un point important et c'est Très significatif que les gilets jaunes se sont mobilisés sur les taxes en premier. Dans l'histoire, ça a toujours été comme ça aussi, des révoltes, le roi qui imposait des taxes pour ses parasites et les gens n'en pouvaient plus, ils n'arrivaient plus à manger. Et donc, ça a été la raison de beaucoup de révoltes historiques qu'il faudrait analyser. La fiscalité, en fait, en France, en Belgique, etc., c'est un système pour transférer des pauvres et des moins pauvres vers les très riches. Donc, clairement, l'état de travail pour les multinationales, et ça, c'est la réponse à la question que je posais au début où est parti votre argent Et le problème, c'est que les partis politiques se disent, même les partis de droite, ils se disent pour les petits commerçants. Évidemment, personne ne va dire moi, je suis le parti de Total, de Arnaud, de Auchan, donc on doit être pour des petits. Mais en réalité, les mesures que prennent ces grands partis, j'entends là-dedans la droite classique et l'EPS, qui a gouverné depuis 30 ou 40 ans, en France et en Belgique, les mesures qu'ils prennent appauvrissent les petits indépendants, les petits patrons et les travailleurs en général au profit des tout grands, ça il faut absolument le savoir. On va avoir des élections en Belgique en mai 2019, c'est le moment de faire un bilan et moi je crois qu'il faudrait poser des questions à tous nos politiciens. En France, vous aurez que des élections européennes mais bon, c'est aussi une manière de sanctionner. Je crois qu'on devrait Poser la question à tous ces politiciens renommés, mais aussi certains journalistes vedettes ou les experts qui passent à la télé et qui viennent nous dire avec, euh, avec arrogance que les gens doivent comprendre qu'il faut des réformes, qu'il faut être moderne, qu'on ne peut pas vivre sur les acquis du passé, etc. Ça, c'est complètement indécent. La, la chose qu'il faudrait demander à tous ces gens, c'est un... Dire avec combien d'argent vous vivez par mois. Ça devrait être obligatoire. Politicien, journaliste d'être, expert, combien vous avez par mois Et la deuxième question, c'est est-ce que vous sauriez vivre avec 1000 ou 1200 euros par mois comme de plus en plus de gens sont obligés de le faire Expliquez-nous comment vous allez vivre avec 1000 ou 1200 euros par mois. Donc je crois qu'on a, on a la réponse à la question euh, que j'ai posée au début vivons-nous en démocratie Non. Alors, on entend de plus en plus Macron dehors, Macron dégage, c'est tout à fait légitime, il l'a bien mérité. Soit c'est euh, un connard incompétent, soit c'est un escroc. Je dis connard incompétent parce que pour aller dire aux gens des choses comme Mais si euh, on veut se payer un costard, il ben, faut travailler ou si euh, moi je traverse la rue et je vous trouve un boulot, ben, franchement, c'est soit de la bêtise, soit de la manualité, soit les deux. Donc, il n'est pas digne de sa charge, c'est le minimum. Mais il y a un piège, évidemment, de cibler la colère uniquement sur Macron. Il y a un homme qui est très bien informé, qui s'appelle Jacques Attali, qui a été de ceux qui ont fabriqué Ma Macron, parce que Macron, c'est un produit fabriqué. Jacques Attali vient de dire récemment que, bon, Macron, c'est fini, hors jeu déjà, mais qu'il connaissait le nom du suivant ou de la suivante. Donc là, il faut faire attention parce que... Ce qu'on vit, ce n'est pas les conséquences de Macron, comme je le disais, c'est les conséquences de 40 années de néolibéralisme et de politique pratiquée par tous les partis, PS compris. Donc il y a des leçons absolument à tirer de ce mouvement des Gilets jaunes et de cette révolte absolument magnifique contre Macron et contre le 1%, à condition que les partis véritablement de gauche et les syndicats en France tirent ces leçons. Euh, pourquoi n'y a-t-il pas eu de révolte plus tôt Pourquoi n'a-t-on pas réussi à unir toutes les classes populaires Pourquoi n'a-t-on pas présenté un programme vraiment offensif, même quand c'était le PS qui euh, faisait avancer des mesures pour les riches, comme avec euh, Hollande et compagnie Alors, dans cette dernière partie de la réflexion, je crois qu'on doit voir le problème dans son ensemble, c'est-à-dire qu'en en fait, nous sommes avec plusieurs catégories sociales qui sont en révolte et qui doivent absolument s'unir. Les quatre catégories sociales qui doivent absolument s'unir selon moi sont, et bien entendu le pouvoir va tout faire pour les diviser, sont d'une part les ouvriers au sens large avec les employés dedans, et il y a eu des mouvements sociaux dans le passé. Ils n'ont pas été assez soutenus, assez organisés. On a réussi à les diviser, à retourner même l'opinion publique contre eux, alors que tout simplement, c'est des mouvements légitimes pour avoir plus de salaire, pour protéger l'emploi. Et comme on refuse de réduire le temps de travail et de partager le travail, comme on fait crever ceux qui se restent au boulot et déprimer ceux qui sont au chômage, évidemment qu'on a beaucoup affaibli la classe ouvrière au sens large et son pouvoir d'achat. La deuxième catégorie dont.. Euh, il faut parler. C'est celle dont on vient de parler, les petits indépendants, les petits patrons, qui évidemment euh, sont en fait dépendants de la première catégorie. Les, les petits indépendants, il y en a une partie qui pensent qu'ils sont vraiment des indépendants et qui ne sont pas des travailleurs, qui ne sont pas des ouvriers. Mais beaucoup sont en fait des indépendants seulement sur papier ou dans leur tête. Et en réalité, ils sont très très proches de la classe ouvrière par les conditions de vie, par la pauvreté. Beaucoup sont d'anciens ouvriers. Et puis, ils sont très proches pour une autre raison encore plus profonde. Leurs affaires, leurs revenus dépendent du revenu des ouvriers et des employés. Si ceux-ci n'ont pas de quoi acheter, ben, ils n'auront personne à qui vendre. Donc, il y a une solidarité objective et il est temps de vraiment bien la développer, comme je pense, c'est en train de se développer dans le mouvement spontané, spontané des Gilets jaunes, mais comme ça doit aussi se développer dans l'ensemble du mouvement ouvrier. Une troisième catégorie qui est importante, c'est les migrants. Vous allez dire, non, rien à voir, mais si. La fois passée, j'ai analysé, et on y reviendra prochainement, tous ces travailleurs migrants qu'on importe d'Afrique ou du Moyen-Orient. Et en Amérique, c'est des latinos. On en importe massivement, et comme je le disais, le patronat demande à Merkel et à Macron, Macron d'importer des travailleurs bon marché, gratuits, sans droit, pour justement faire baisser les salaires et se faire encore plus de profits. Donc on est placé dans une concurrence, et j'ai vu avec plaisir qu'un camarade qui s'appelle Roland, qui anime un, un collectif de sans-papiers à Lille, avait fait un très beau texte qui se trouve sur le site Investi Action et avait expliqué qu'ils allaient rejoindre la manif des Gilets jaunes et qu'ils allaient manifester en solidarité avec les Gilets jaunes. Je crois que ça c'est très très important, ne pas se laisser diviser. Et je disais bon, il y a les ouvriers, il y a le petit patron, il y a les migrants, il y a aussi euh, la classe des intellectuels. Bon, euh, techniquement ça devrait s'appeler la petite bourgeoisie, mais c'est pas un terme très sympa, donc euh, on va les appeler, je sais pas, les. Les intellectuels, les travailleurs intellectuels, parce que chez les ouvriers, il y a aussi des intellectuels. Et justement, le, le problème auquel il faut faire attention, c'est de ne pas tomber dans le mépris. On a entendu des discours un peu méprisants sur les gilets jaunes. C'est des gens pas très formés, pas très cultivés. Il y, aurait même, euh, il y a tout ce discours de division. Euh, euh, Soit disant, ils seraient d'extrême droite, ou bien euh, ils seraient pour le diesel, donc ils ne seraient pas très écolo. Je crois qu'il faut éviter ce genre de division. Euh, L'argument euh, pas écolo, ça, j'avais un peu abordé la semaine passée, ça tient pas. Macron veut privatiser la SNCF en Belgique, on veut faire de même avec le rail également. C'est un processus depuis longtemps, mais il faut réfléchir deux secondes. Si on privatise, on aura moins de gares, moins de lignes, moins de personnel et donc beaucoup plus de bagnoles. Donc ceux qui se prétendent agir pour l'écologie, c'est vraiment une escroquerie très très malhonnête. Donc je ne sais pas, euh, on doit absolument, dans mon idée, avoir des transports publics. Moi, je serais pour la gratuité totale ou alors un prix symbolique. C'est clair qu'au niveau pollution, au niveau pouvoir d'achat, au niveau stress et perte de temps, et même pour l'économie, c'est la seule solution rationnelle. Évidemment, les constructeurs de bagnoles n'aiment pas, évidemment, Total n'aime pas. Mais voilà, c'est la question les intérêts de qui, de qui ont choisi. donc, dans ce mouvement entre des gilets jaunes, il est clair qu'il y a toutes sortes d'idées. alors, certains disent, c'est confus. c'est pas clair, mais ben, c'est toujours comme ça. un mouvement spontané, ça commence sur une chose. il y a les gens qui ont différentes tendances. et c'est très bien. en fait, il est normal que les gens du peuple se retrouvent avec deux sortes d'idées dans la tête. ça aussi, je l'expliquais dans le livre que j'ai cité. il y a deux sortes d'idées. Il y a les idées qui leur viennent de la classe dominante, Marx disait les idées de la classe dominante sont toujours les idées dominantes dans la société. Il y a les idées qui sont inculquées par l'école, par la télé, par les soi-disant experts, par l'environnement en général. Et puis il y a les idées qui correspondent à la réalité pratique, les choses que les gens voient dans leur vie, ça dément les discours et il y a une bataille à l'intérieur des cerveaux et c'est très bien. Et je crois que cette bataille elle doit vraiment se développer justement en favorisant le débat et la discussion, euh, sans sectarisme, sans mépris, personne ne doit donner des leçons aux autres, il faut apprendre les uns des autres, vraiment, ça, ça me semble très important, et se dire que l'école de la rue, c'est euh, la plus formidable des écoles, je pense que dans un mouvement, dans la rue et dans l'action surtout, on peut apprendre beaucoup plus en quelques jours qu'en quelques années. On dit aussi pour dédiviser ce mouvement, pour le discréditer, parce que ça va venir, pour le moment les médias ont un peu... Euh, Dit que c'était chouette, ça leur fait des images, ça leur fait des spectaculaires, donc c'est bon pour l'audimat, mais à un moment donné, les médias vont se tourner à fond contre les Gilets jaunes pour les discréditer. Ça a déjà commencé avec la question de la violence. Alors, deux mots là-dessus. Euh, la majorité des Gilets jaunes a clairement dit et montré qu'elle était pacifique, qu elle ne voulait pas de violence. On sait qu'il y a eu des casseurs. Je crois, infiltrés, c'est des choses qu'on a déjà vues dans beaucoup de, de mouvements autres. Et c'est parfois avec des liaisons avec l'appareil d'État, les infiltrés tombent pas toujours du ciel et il y a certains qui ont intérêt à casser l'image d'un mouvement. Maintenant, il y a eu des heurts avec la police aussi, il y a eu parfois des violences. On a vu des images où des jeunes tout à fait pacifiques à un arrêt de bus se font agresser avec des gaz, etc. Donc, mais on a vu aussi des policiers fraternisés avec les gilets jaunes, et je crois que c'est euh, la situation, euh, la tension, elle est aussi liée au fait qu'on ne leur paye pas leurs heures supplémentaires, qu'il n'y a pas assez d'effectifs, et donc je crois que c'est très positif que justement euh, beaucoup de couches populaires se retrouvent ensemble et surmontent les contradictions qu'on essaye de montrer entre eux. Évidemment, on a dit, on ne peut pas casser. Bien, oui, en principe, c'est bien vrai. Mais il faut se mettre à la place de ces gens à qui on note le minimum pour vivre et qui se baladent dans un quartier des Champs Élysées ou des environs et qui voient là-bas des sacs à main, des bijoux, des tailleurs, des trucs qu'ils mettraient deux trois années de leur vie à se payer et évidemment qu'il y a une colère tout à fait légitime. Donc il y a un très très beau bouquin que je vous recommande euh, qui s'appelle La violence des riches de Michel Pinson et de sa femme La violence des riches chronique d'une immense casse sociale, c'est très très bien. Je crois qu'il faut vraiment se rendre compte d'où vient en réalité la violence. Alors je disais, il faut absolument développer le débat. Euh, eh bien, je crois qu'il y a un pas en avant important qui a été fait dans ce sens avec un programme en 42 points qui présente des revendications des Gilets jaunes. Je ne sais pas de qui il émane, j'ai trouvé ça sur Internet, mais j'ai trouvé ce programme vraiment très très intéressant. Il y a des points qu'on peut discuter. Par exemple, à un moment donné, ils disent, voilà, le mandat du président devrait être porté à sept années. Et au lieu de cinq, comme ça, on pourrait, après deux, trois ans, le sanctionner. Je crois qu'il n'y a pas besoin de prolonger le mandat présidentiel. Il vaut mieux pas. Je proposerais une autre solution. Au Venezuela, Chavez avait introduit ce qu'on appelle le, le référendum révocatoire. Si vous êtes le maire d'une commune ou un président de province ou euh, le président de la République, les citoyens peuvent euh, lancer une pétition et demander un référendum révocatoire. Et si vous avez 20% ou 15% de la population qui le demande, le référendum a lieu. Et donc, on peut révoquer un président qui n'aurait pas tenu ses promesses. Voilà, une suggestion, je pense que c'est intéressant. Mais ce qui est très, très chouette dans ce programme de revendication, je lis impôt sur le revenu davantage progressif, ça, ça devrait être très clair, que les gros. Pays gros et que les petits pays petits. Ça, c'est euh, le bon sens. Il propose un grand plan d'isolation des logements, faire de l'écologie en faisant faire des économies au ménage, bien sûr. Même système de sécurité sociale pour tous. Pas de retraite en dessous de 1200 euros. Bravo. Euh, fin du travail détaché. Qu'une personne qui travaille sur le territoire français bénéficie du même salaire et des mêmes droits. Euh, son employeur doit cotiser à la même hauteur qu'un employeur français. Excellent pour éviter justement la mise en concurrence des travailleurs euh, en, entre eux. Salaire maximum fixé à 15 000 euros, des emplois pour les chômeurs, augmentation des allocations des handicapés, intégralité de l'argent gagné par les péages des autoroutes servant à l'entretien des autoroutes et à la sécurité routière. Ça, c'est une escroquerie. En France, vous avez des taxes pour construire les autoroutes et puis vous devez repayer une deuxième taxe pour les utiliser. Donc c'est vraiment une escroquerie énorme. Voilà, et il y a quelque chose d'intéressant aussi sur les migrations et les guerres. Je vais en revenir, dans, dans, revenir là-dessus dans deux minutes. J'aimerais citer, on est un petit peu plus long aujourd'hui, mais le sujet me tient à cœur, il y a vraiment beaucoup à dire et j'en reçu beaucoup de questions et de remarques. J'aimerais citer euh, Franck Lepage, euh, j'adore ce qu'il fait, qui a euh, interpellé Macron. Je n'en peux plus, dit-il, d'entendre ces discours d'exposés lycéens. Ce type est bête à bouffer du foin. Ce type, Macron, a déclaré, on ne descend pas dans la rue pour cinquante euros d'APL. Bien sûr que si, répond le page. Cinquante euros d'APL quand tu touches quatre cents balles de RSA, revenu minimum d'insertion, je crois, non, revenu de survie. C'est la possibilité, dit le page, de mettre un toit sur la tête de tes gosses crétins. La mobilisation populaire des Gilets jaunes, poursuit le page, ce n'est pas pour les 6 centimes d'essence. C'est pour le massacre de notre protection sociale, la vente de nos services publics, la démolition de notre hôpital, le prix obscène d'un péage Vinci une fois vendu les autoroutes, les salaires de taré des dirigeants français. 16,4 millions pour Gilles Robin, PDG de Rubis, Rubis pardon, une entreprise dépendante de Total, la société qui ne paye pas d'impôts en France et réalise chaque année plus 10% de bénéfices voilà, qui est extrêmement bien dit, on avait aussi euh, une, euh, en fait on ne peut pas, euh, on peut pas montrer la criminalité euh, en matière de, de délinquance financière, et c'est quelque chose qui doit absolument être, être dit, dans un article récemment publié sur investigation je lisais ceci. C'est une interview de John de Nader, qui est un défenseur des consommateurs et des pauvres aux États-Unis. Et il disait, 70 pardon pour les Français, 70 des citoyens soutiennent le salaire de minimum décent, les impôts, un système de santé pour tous. 90 90 les citoyens sont en faveur du démantèlement des grandes banques. La même chose pour la répression de la délinquance du monde des affaires. Les gens ont besoin, dit Nader, de voir concrètement la nature de la délinquance des affaires. Il y a eu l'exemple de Gauss tantôt avec son argent fraudé là. Nader poursuit. La délinquance du monde des affaires, c'est ce qui arrive à votre crédit, c'est ce qui arrive à votre maison, à votre emploi, c'est ce qui se passe à l'hôpital, c'est ce qui se passe quand on vous refuse une assurance santé, que vous ne pouvez pas couvrir vos enfants. Alors, j'ai parlé de la démocratie au début. Je pense que la condition fondamentale, c'est une véritable info. Et dans un site comme Investigation, vous êtes les bienvenus pour exposer vos témoignages, votre vécu, votre sentiment sur ce que Nader appelle la délinquance du monde des affaires. Il y a là-dedans des gens qui devraient être en prison au lieu d'envoyer les pauvres en prison. Et on est là à votre service. Il y a le grand soir, il y a d'autres sites. C'est vraiment très important de faire circuler l'info sur la violence des riches et sur le caractère criminel de ce qu'ils font. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait une vraie unité entre la classe ouvrière, les petits patrons, les migrants et la petite bourgeoisie intellectuelle. Il nous faut on a eu des mouvements récemment. On a eu des mouvements ouvriers on a eu, dimanche passé, j'étais à une manif pour le climat, c'était surtout des intellectuels, les gens de la petite bourgeoisie qui étaient là, mais c'est très positif, c'est très important. On a eu des grands mouvements de solidarité antiraciste avec les migrants, avec les réfugiés politiques, tout ça c'est magnifique. Et ces différents mouvements, on essaye de les cloisonner, de les mettre dans des ghettos, ils doivent absolument s'unifier si on veut gagner. Et il y a un élément qu'il faut ajouter à l'analyse. Je travaille beaucoup sur la guerre et j'ai une grande souffrance de voir qu'on ne parle absolument plus de la guerre et qu'avec l'impact des télévisions et des mensonges, on se fait complètement embobiner par les discours sur la guerre humanitaire. Là, en Belgique, on vient d'acheter des F-35, des avions pour jeter des bombes sur des gens, sur des enfants. Okay ça, c'est quelque chose que j'ai vu en Irak, en Yougoslavie, en Libye. C'est des bombes qui vont tuer des enfants. Et on paye pour ça. Et on va payer très cher. Dans un journal belge, et en France, vous avez Dassault, vous avez énormément d'argent qui est mis pour l'armement en France. Donc, vous n'avez pas acheté les F-35 des États-Unis, mais vous, vous faites voler aussi pour les armements. En Belgique, on a eu ce genre de couverture, il faut que j'arrive à bien la montrer, où on présentait Eurofighter ou F-35, c'est dans le journal néerlandais. Donc, tout le débat était... Est-ce que la Belgique doit acheter le F35 des États-Unis ou un avion européen C'est une belle image, elle est très spectaculaire. On croirait que c'est un match de foot là qui va gagner. Mais elle est complètement fausse cette image. La question c'est pas d'acheter cet avion là ou cet avion là, c'est aucun des deux. Ce qu'on aurait dû montrer sur l'image, c'est F35 ou bien 200 écoles qu'on peut construire avec l'argent d'un F35 ou des emplois pour les pauvres ou une aide pour les retraités qui n'ont pas assez. Donc on est dans un gaspillage criminel avec l'argent donné aux marchands de canons. Et pourquoi je parle de ça Parce que les migrants qu'on importe ici pour essayer de faire baisser le prix des emplois et augmenter la concurrence entre les travailleurs, les migrants sont chassés de leur pays par la pauvreté à cause des multinationales et par les guerres qui sont des guerres provoquées par les États-Unis, la France et la Belgique. Je ne développe pas ça ici, c'est dans mes bouquins, c'est sur InvestiAction. Je pense que c'est une discussion fondamentale qu'on doit avoir. On n'a pas de quoi payer une retraite décente aux pauvres en France et en Belgique, et on a de quoi payer des avions qui vont juste semer la mort et servir à rien du tout. Donc ça, pour moi, c'est un, un enjeu très très important dans la discussion. Voilà, j'ai été un peu long aujourd'hui. Je vais regarder si euh, parmi les questions que vous avez, euh, posé, il y en a auxquels je peux répondre maintenant. Je vois qu'il y a énormément de... de réactions. Je vois des commentaires intéressants sur lesquels je vous répondrai euh, là tout de suite, mais pas encore de, euh, de questions. Bien. Euh, vous allez pouvoir les trouver sur notre site. Ça va se retrouver bientôt sur YouTube, euh, je, sur la page Facebook, je veux dire. Ça va se retrouver, bien entendu. Euh, sur euh, la, la page YouTube également, où on va le poster. Euh, voilà, ça me semble très important pour résumer ce que j'ai dit, de poser la question, vivons-nous en démocratie Un président de la République ou un Premier ministre, ça doit servir à quoi Où va notre argent Qu'est-ce qui est vraiment dans le 1% qui fait en sorte qu'il y a de plus en plus de pauvreté et quels sont les types de revendications à débattre pour changer ces choses-là petit à petit euh, Je pense qu'il va falloir un vrai changement de société pour y arriver, mais la bataille, elle commence aujourd'hui. C'est comme ça qu'on va aussi prendre confiance dans nos capacités, qu'on va aussi trouver des solutions aux problèmes qui se posent à notre société. Et pour ça, je crois que les différentes catégories sociales qui souffrent de la dictature du 1% doivent vraiment entrer en dialogue, entrer en débat apprendre les unes des autres et travailler sur l'information. Que chacun ait des informations valables sur la criminalité économique, la criminalité en col blanc, sur les partis politiques et les mesures qu'ils prennent et à qui elles rendent service, sur les revendications qui peuvent changer tout ça et sur les causes des guerres. Voilà, j'espère vous avoir été un peu utile dans vos réflexions. Je vous remercie pour votre soutien. La semaine prochaine. J'inviterai Tony Busselen pour parler des élections qui se préparent au Congo, en Afrique. Euh, certains vont dire bon, c'est tout à fait différent. Eh bien, pas tout à fait, peut-être différent de ce qu'on vient de discuter. Vous aurez peut-être des surprises là-dessus. Je vous remercie pour votre intérêt. À mardi prochain.